Le courant, la PL, c'est sur axe. Et c'est sur axe. Pas le sabour. Le sabour. Et les sortes de courant, ou bien dans les sortes de courant, acte comme quoi sur axe. Dans les sortes de courant, on appelle le psaume là quoi? Le sabour. Maintenant, j'explique le déchiffrement de cela. D'abord, il y a un peu de talon et un peu de salon. Pourquoi ça? Regardez, T, là, le poisson fait l'alphabet. Et bien, c'est quoi? C'est un peu ce disque. Ah, la poisson fait de l'alphabet, c'est la lettre A. Ah, la poisson fait de l'alphabet, c'est la lettre S. Donc, talon devient quoi? Parce que chez notre variable, là, talon devient A, S, A, L, O, R. Celle-ci, A, la tienne, papa. Et ceci, salon, on peut donner une double lecture de N là. Tu vois pas ça, tu vois ça non. Une double lecture de N, donne pas, donne la lettre M. Donc, papa de salon. Papa de salon, c'est qui David. Mais n'est-ce pas? Papa de salon, c'est-à-dire David. Il dit que la lettre X est quoi? Est la pierre qu'il a lancée pour tuer quoi? Pour atteindre Goliath. En effet, pour voir ça, regardez ici. Le voilà, il y a la poussée de K. Devant lui, il a Y, il y a la poussée de 5. Ici, mais si ça c'est qui? C'est. Voilà, regardez bien. Regardez bien la pomme de ici, Y. Y, là, c'est quoi? Y, regardez bien. C'est le bateau de la lance-pierre. Le bateau de la lance-pierre. Et le X. Et ici, c'est le diable. Regardez, je mets en couleur. C'est le jaune là. Le jaune là, c'est quoi? C'est le caoutchouc. Le caoutchouc qui est relié à quoi? À la lance-pierre. Le caoutchouc de la lance-pierre. Et quoi? Ce truc là, le blanc là, c'est quoi? C'est la main de celui. Le lancer de la pierre là, qui a tenu le caoutchouc, a tenu ça, sa main, comme ça, et puis il lance la pierre, à quoi? Il lance la pierre, regardez le sens, il lance la pierre à qui? À Obésis. Ça c'est Goliath ça. Goliath ça. Goliath, regardez le 6, il est combien de 2 et 6? Comme je l'ai dit, le 2 et le 6, c'est quoi? Le 2 c'est le diable, 6 c'est le Satan. Le 2 c'est l'adopère, 6 c'est quoi? C'est le plasmodium. Les deux sont quoi? Le 2 est la forme de 6. Les deux travaillent ensemble. Ils sont en alliance. Ça c'est Goliath ça. La vie c'est celui de quoi? La lance qui est la roue pour la terre. C'est comme ça. C'est ainsi que X, il a la position de 4 dans l'alphabet. Et le 4 dans le fond, c'est la lumière. Lumière, je ne découvre pas. Regardez ceci. Ça fait lance. Encore tout ceci. Elle va pierre. Le Q de U. U, il a la position 21 dans l'alphabet. 21, c'est quoi? C'est l'opposé de. Ok, U, regardez bien, U c'est l'opposé de N. U c'est N à l'envers. U c'est la lettre N à l'envers. N est à la position 14 de l'alphabet. Donc, U, puisque U est N à l'envers, ça veut quoi? Ok. Je cherche la place. Et dit U, c'est quoi? Regardez bien, c'est N à l'envers. N, elle est quoi? Elle a la position 14 de l'alphabet. Donc, si ça fait 14 à l'envers, 14 est combien de quoi? 1 et 4. 1 à la position 1 de l'alphabet, c'est A. À la position 4 de l'alphabet, ça fait T. Donc, plus ça fait quoi? AD à l'envers. AD à l'envers, ça fait ça de quoi? DA. DA, c'est ça qui est David. C'est ça qui est pour David.